mignonité activée. Salut. Aujourd'hui, je voulais vous présenter... Tadam! Ça fait la troisième vidéo que je fais. Première, j'ai activé Google, donc la vidéo s'éteint. Deuxième, j'étais sur un mauvais bouton. Et la troisième, j'ai appuyé sur le bouton arrêter. Hein. Génial. Donc, cette fois, j'espère que ça va bien se passer parce que j'en ai marre. Donc, je vous prie. Les présentations. Abracha, abonné. Abonné, abracha. Mes coffees de base ne marrent pas, putain. Mes coffees. Ticker. Putain, mais qui est con. Donc, je vous présente le premier épisode. Et ça tout. Coffee. Non. Coffee. Ticker. Je vous dis, le premier étage, on a tranquillement la petite carte. Le deuxième étage, on a le petit lit douillet avec intérieur rembourré et protégé. Ça se voit pas trop, mais normalement, ah oui, ça se voit assez. Vous avez vu le petit truc rouge? Pour le remettre. Coffee! C'est protégé. Ici, cette matière, c'est pour faire cette griffe. Et un endroit de boules. Voilà, on protège. Oh, tu cœur. T'es content, hein, toi? Plusieurs rendez-vous ont été évoqués sur les réseaux sociaux. Les Champs-Élysées, la défense. Et je vois avec les boules de du savon. Ah oui, je vous montre le savon. Coffee! De la monarchie de la Révolution française. Ce matin, mais... Ton fils, ça s'est fait maintenant! Pas d'étoiles, mais bon. C'est bon, hein? Ah oui. Les décorations, mais... Jingle Bell. Je vous présente la première fois. Et vous présente la deuxième. Coffee? La quatrième. Et dans ce contexte, l'Assemblée nationale a donné son feu vert à la mise en œuvre. Et oui, on a beaucoup de décorations. À la crise des gilets jaunes, parmi les dispositions adoptées pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, l'exonération énergie de la hausse de la télévision. T'as peur, hein? Et t'as intérêt. Non, les moutons. Troisième étage, c'est vraiment un château. On a un petit hamac, mais ça, il la compte pas trop. Son équipe, c'est vraiment pas ça. De l'autre côté, on a encore ça, mais bon, là, on a tout. On a un petit truc. Coffee! Coffee! Alors, ici, on a un petit pied pour qu'il monte avec les petites clés. Il monte et on a le dernier étage. Ah! C'est doux. On l'a monté aujourd'hui, ça nous a pris une casse-couille. Parce que normalement on devait le faire à l'après-midi. Mais avant. Mon solfège. Pour monter ce truc, c'est un vrai fastoche, non? Je ne sais pas ce qu'ils peuvent suivre. Du coup, après on a vu qu'il manquait des vis. Normalement, il y a des vis. Donc mon père a dit, bon, je vais aller chez Lidl pour échanger le paquet. On va quitter la France pour aller chez Lidl. C'est une chanson de... Après avoir conduit, on a vu que le solfège était fermé. Aïe, ah, mon oeil. Ah, putain, ça fait mal. Coffee! Coffee! Une langue, et il va sur ça. C'est cool. Donc,
utiliser avec mon seul poste. Je fais tout sur une Oui, tu es mignon, toi. Et du coup, c'est bon. Et le dernier étage, il va être génial. Viens, j'attends. Il n'y a que le dernier étage qu'il n'a pas vu. C'est le seul étage qu'il n'a pas essayé. Donc je le conduis. Sa réaction. Il joue avec les boules, c'est bien. Ça veut dire qu'il aime bien ses boules. En même temps, je n'aime pas les boules. Je me fais pas mal quand même. Putain. Oh putain, il est en train de tomber. Le café, il attend pas, c'est mon ami. Bon, voilà, cette vidéo est à peu près terminée. On a combien? 5? Presque 6. Je vais quand même continuer un peu. Mais... Donc, on a été chez Lidl. Pour prendre notre truc, on l'a monté, ça a pris des heures. Marcher comme ça, ça prend 10 secondes à monter. Ça nous a pris 10 heures. Pas 10 ans. Et comme je l'ai dit dans ma prochaine, enfin ma dernière vidéo, bonnes vacances. Je sais pas pourquoi, normalement on est en vacances. Normalement, je dis bien. Et je ne peux pas casser les couilles à ceux qui ne sont pas. Vacances. Ah oui, comme je le dis dans la dernière vidéo, que je vous mettrai, je vous le dirai à la fin, c'est laquelle. Ceux qui préfèrent que je dise Noël et ceux qui préfèrent que je dise juste vacances de... vacances de Saint-Nicolas ou de Père Noël, je vous dis, je suis... neutre. Je dis juste vacances. Bonnes vacances. Pas vacances de Noël, ni vacances de Saint-Nicolas, ni vacances de Père Noël. Je dis juste vacances. T'es content? T'es content, c'est ton petit cadeau de Noël? Allez, on va quitter la France pour aller chez Lidl. Dans sa tête, on dirait aidez-moi, pitié, aidez-moi, c'est quoi ce truc? Non, tu ne mords pas. Si tu mords, non, mais l'autre ne mord. Je le mets dans son petit bac. On va voir s'il apprécie ou pas. C'est dormi. Trop mignon. Je ne suis pas du tout Gaïa. Par contre, là, à la limite, elle va tomber. Hein. Ah oui, aussi. Ceux qui n'aiment pas les chats. C'est très peu. Ouh, tout, 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 tout. Dites-le-moi, j'arrête. Et je pourrais parler des chats, mais vous me le dites. Okay. Donc, je vais vous dire le dernier titre de ma vidéo qui est sortie il y a quelques heures. C'est j'ai une ambition. De vous la trouverez sûrement sur mon site et tout. Je vous mets le lien en description, ce que dira un youtubeur. Je ne sais pas. Votre avis, pourquoi je mets jamais de rien en description? Parce que j'ai la frère. Ok. En plus, je mets même pas de jeu, je mets appel à personne. Enfin, personne de youtubeur. Putain, Rico, dites-moi plein d'affirmations sur vous, ça me ferait plaisir. Et si vous lâchez un petit commentaire, je vous jure, je vous prendrai un plaisir à vous répondre. Ce sera un grand honneur, un gros bonheur. Si vous trouvez que je bégaye, dans la vraie vie, je ne bégaye pas. Ok, c'est juste que comme je filme avec une tablette, j'ai la voix donc aiguë, grave. Dans la vraie vie, c'est à peu près. Enfin, je suis en train de parler pour gagner des minutes. Vous croyez?
croyez entendre votre voix. Quand vous parlez, vous entendez votre voix. Mais ce n'est pas la vraie voix. Attends. Moi, je dirais aigu, grave. Je dirais à peu près au milieu. Dans la vraie vie, du coup, je ne sais pas. Et dans mes vidéos, très aigu. Très aigu. Faut carrément que je parle comme ça pour avoir un petit peu ma voix. Un petit peu, je vous dis, un petit peu. Et je suis hyper contente parce que j'atteins, j'essaye d'atteindre l'adjectif 10 abonnés. Alors, soyez nombreux et nombreuses à vous abonner. Dites-le à vos amis. Si ça vous emmerde, dites-le à vos parents. Mon vieux mec, le vieux. Ça me ferait un plaisir parce que franchement, je suis qu'une merde, alors si j'aime beaucoup d'abonnés, ce serait cool. Voilà, donc je vous remercie du fond du cœur. Je crois que je ne ferai à peu près plus jamais de placement de produit. C'est à peu près sûr. Des trucs comme ça. Donc, je vous dis un grand bonsoir. Et si vos amis ne sont toujours pas d'accord pour vous abonner, il y a un petit truc qui leur fera plaisir. Mes vidéos sont gratos. Donc, qui paierait pour. Qui me donnerait les pubs pour 9 abonnés? Enfin, j'ai plus été voir mon site, je sais plus exactement. La dernière fois que j'ai vu, c'était 9 abonnés. Donc, je fais des gros bisous et. Bonnes vacances! Et si vous avez un chat, dites-moi comment il s'appelle, de quelle couleur il est, et si vous avez un truc comme ça, je me ferai un plaisir.